Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette troisième Planter View. Alors aujourd'hui, nous accueillons la Maranta Leconera, dont le cultivar est Eritonera, aussi appelée Maranta Tricolore. Un peu plus simple à retenir. Alors, comment allez-vous, Madame Maranta? Je vois que vous avez mis un beau pot rouge de circonstance pour la saison d'hiver. En effet, on commence à être un petit peu avancé dans l'hiver. Oui, c'est vert autour de moi. On me l'a déjà dit, je le sais. J'ai déjà expliqué. J'ai un microclimat sur cette terrasse. C'est l'hiver. Voilà. Alors, dites-moi tout un peu. D'où vous venez, quelle est votre famille, expliquez-moi un peu, faites-moi une petite présentation s'il vous plaît, je vous en prie. Ok, donc famille des Marantacées, vous dites? Bien, les Marantacées, c'est 50 espèces environ, pas mal, une bonne petite famille quoi, quand même. Ok. Plutôt Amérique latine, un coin portugais, Brésil, ouais, Venezuela, et les Antilles, ok, donc pas mal Brésil, Venezuela, Antilles, c'est ça, cette région-là, en gros, ouais. Alors, dites-moi un peu, je suis curieux là, ça vous vient d'où ce nom de Maranta? Vous m'excuserez un peu l'humour là, mais c'est quand même marrant comme nom, Donc c'est quoi, c'est... Ah ok, donc ça, c'est un nom en hommage d'un, vous dites, un botaniste médecin du 16e siècle italien, Bartolomeo Maranta. Ok, d'accord. Et c'est lui qui vous a découvert ou... Non? Ah non, c'est juste un nom en hommage comme ça, c'est qui vous a découvert alors, si je peux me permettre? On sait pas? Bon. C'est une partie des périodes floues de l'histoire, ça met un petit peu de suspense. Peut-être un jour on saura qui vous a découvert. Ouais. Alors, vous êtes... quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes ricaneuse? Vous êtes rhizomateuse, ok. Pardon, c'est parce que Maranta, ricaneuse... Oui, ok, oui, j'arrête. Oui, je me doute bien qu'on a dû vous la faire pas mal de fois, ce genre de blague, c'est sûr, mais ouais. Et il me semble que vous avez une particularité, est-ce que vous voulez bien nous en parler? Ouais, c'est ça, vous vous étalez la journée et hop, vous redressez la nuit, comme la Calathea d'ailleurs. Il me semble qu'on vous confond souvent avec la Calathea, Ouais, c'est vrai que... mais la Calathea... Oui, c'est bien ce que je pensais. Effectivement, la Calathea, c'est donc la même famille que la Maranta. Ok, c'est pour ça cette particularité un peu... C'est pour ça ce beau feuillage déjà. On voit que vous avez quand même en commun un très beau feuillage. Et puis cette particularité de vous étaler la journée, de vous redresser la nuit. Ok, je comprends. Alors, vous permettez que je vous complimente quand même sur votre feuillage. Ah bah oui. Ah, il est vraiment très très joli. C'est fou, on dirait que vous avez été peinte à la main comme ça, des super beaux motifs. C'est vraiment très très joli, oui. Vous produisez beaucoup de feuilles ou entre 5 et 10 par an? Ok, d'accord. Alors, vous êtes plutôt jeune, je pense. Ouais. Ok. C'est pourquoi le sable dans votre peau, en fait, je suis intrigué un petit peu par... C'est joli? C'est décoratif ou... Ah, c'est pour empêcher les sciarides. Ça aide, non? Ah, c'est bien, c'est malin. Il me semble de mémoire que j'avais déjà raconté un truc comme ça. Ouais, c'est vrai parce que vous, en fait, au niveau du terreau, je suppose que, comme je commence à avoir l'habitude, avec les plantes interview ou les plantes tropicales, vous devez certainement... aimer l'humidité, vous aussi vous aimez bien quand vous brumise, oui, et votre terreau vous aimez bien le garder frais, je suppose, ouais c'est ça, donc un terreau pas mal frais, un peu humide en tout temps. Et là je vois vous avez une feuille un petit peu sèche, c'est quoi, c'est, vous dites, à un
peut-être un excès de lumière. D'accord. Ah oui, parce qu'effectivement, on voit, elle est un petit peu pâle. Donc, si je comprends bien, quand les feuilles perdent un peu en couleur et pâlissent, c'est dû à un excès de lumière. Ok. Et ouais, vous n'êtes pas sûr, hein. Ouais, c'est les petits aléas de la vie, bah, c'est comme ça. On a toujours un petit désagrément ici et là. Du moment que le reste est en forme, je vois que sinon vous tenez à merveille, hein, vous portez à merveille. Ici, là, c'est une jeune feuille, je pense. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Vous êtes active comme ça toute l'année avec vos feuilles? Ouais. Ah, bah dis donc, c'est bien ça, c'est beau. C'est chouette. J'ai hâte de voir votre nouvelle feuille toute belle. Et sinon, alors, dites-moi, parlons un petit peu floraison. Je sais bien que c'est plus la saison là, mais des petites fleurs violettes en été, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, c'est discret quand même. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de vous voir avec vos fleurs, mais j'ai bien hâte. Peut-être l'année prochaine, qui sait. Et au niveau de la hauteur, c'est quoi la hauteur de votre hauteur en général, c'est quoi? C'est entre 20 et 50 cm. Ok. Il me semble qu'on vous utilise pas mal en jardinière. Bah oui, je vois là, il y a des. Hein? Mais ouais. Ok. Oui, parce que vous étalez un petit peu comme ça et ça peut faire presque quelque chose de rampant. Hein? Je vois le genre. Ouais. Mais sinon, pas obligatoire en jardinière. Hein? Ouais. Ouais, dans des pots étalés aussi, ouais, ça peut être joli. Ouais, je vois. Ouais, un peu comme la Calathea. D'ailleurs, les pots, parlons-en, les pots, c'est des pots pas trop profonds, hein. Celui-là, c'est OK, quand même? Ouais, bon, OK. Mais sinon, des pots plutôt larges et pas très profonds quand c'est pas en jardinière, je vois. C'est pas facile à trouver ce genre de pots, hein, mais ouais. Et alors, dites-moi, je voulais savoir aussi. Si. Hey, salut Orson! Comment ça va? Quoi de neuf? Ouais? Ah ouais! Ah, ouais, elle dit c'est une plante très facile d'entretien. Et c'est vrai que c'est une plante. Oui, ouais, c'est une très belle plante, hein, on est d'accord. Hey, tu veux un cookie? Tiens! Hey, on se revoit tout à l'heure. À tantôt, j'arrive, je finis mon petit truc et puis on se revoit. On va se boire un café. Yes, ciao, à tal. Donc, ah oui, alors je voulais savoir, au niveau de ton terreau, c'est un terreau léger, ok. Et un terreau à tropical, tu dis? Toi, c'est ce que tu as? Ok, un terreau à tropical et un peu de terre à cactus. Ok. Et dis-moi, au niveau de l'arrosage, c'est comment? Ok. On garde un terreau humide, c'est ça? Ouais. On laisse sécher entre deux arrosages? Ok, d'accord. Et en hiver, ouais, hein, c'est ça, c'est ce que je pensais. En hiver, on réduit un petit peu quand même. Ok. Donc, on résume. En été, on arrose quand le terreau est sec en surface. On laisse sécher entre deux. Puis en hiver, on ralentit un petit peu la cadence. Hein? Ok, d'accord. Alors, je pense aussi que nos auditeurs seraient intéressés à savoir c'est quoi un peu votre style lumineux, on va dire ça comme ça. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est, ouais, votre niveau de lumière requise, allons-y comme ça. Un environnement plutôt ombragé? Ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Finalement, un petit peu comme la Calathea, hein, dans les forêts, les sous-bois, les forêts tropicales. Là, c'est. Je sais pas si on peut parler de sous-bois dans les forêts tropicales, les sous-jungles. Hein? Oui, je suis marrant moi aussi, oui. Ouais, donc pas trop de lumière, hein, même plutôt l'ombre. Bien ça. Ok. Et une bonne hygrométrie. Ok. Ouais. Hein? Ah, salut Gandalf. Oui, il y a Gandalf. C'est mon grand pin de Norfolk que je vous en avais déjà parlé. Hein? Je lui ai donné son petit nom aussi. Il s'appelle Gandalf. Et hein? Qu'est-ce que. Oui, je sais. Oui, il me dit que lui aussi, il aime ça, l'hygrométrie. Hein? Certain. Mais je le vaporise souvent. Et il adore. C'est pour ça qu'il a beaucoup grandi d'ailleurs, parce que j'ai. Hein?
Oh, pas de quoi, pas de quoi, c'est tout naturel, c'est tout naturel, hein, faut prendre soin de toi. Dis-moi, tu dois être content, Noël, ça s'en vient bientôt là, hein? Ouais, hein? T'as hâte? Ouais, on va bientôt te faire des petites décos et tout, ça va être cool. Yes. Hein? Et qu'est-ce que tu penses au fait de tes faux cailloux là? Excuse-moi, je diverge un peu là. Qu'est-ce que tu penses de tes faux cailloux phosphorescents dans le noir? C'est rigolo? Ouais, sans plus. Ouais, bah ça vient du Dollarama, hein. C'est pas non plus. Ouais, oh, c'était pour rigoler. Là. En tout cas, allez, faut que je retourne à mon invité. Hein, c'est, tu m'excuses, Allez. Alors, excusez-moi, je suis un peu pris par toutes les plantes. Je suis demandé par le monde végétal. Hein, mais dis-moi. On parlait là avec Gandalf, mais toi aussi, t'es pas mal Noël. D'ailleurs, on l'a dit au début, tu t'es mis dans ton joli pot rouge là. T'as des petites allures, hein? C'est pas mal aussi pour Noël. T'as le style, hein? Ouais. Et au fait, à propos de Noël, hiver, hygrométrie, tout le bazar là, une question me vient là, au niveau de température. C'est parce que là, en plus, je te parle, je vois. Fumée qui sort là, hein? T'as pas chaud toi non plus? Ouais, on va y arriver assez vite là. Je sais, mon microclimat est un peu défaillant actuellement. Je suis désolé. Ouais, au niveau température, c'est quoi toi ton délire? Hein, dis-moi. Entre 15 minimum, ok, 15 degrés minimum et 25 degrés, hein? Plus infini? Ok, d'accord. Donc 15 degrés minimum et entre 15 et 25, c'est top. Mais après, toi, la chaleur, c'est no problemo esposito, c'est ça? Ok, super. Et alors, j'aimerais terminer aussi avec hein? Ah, et t'aimes pas les courants d'air? Oui, bah ça, je m'en doutais un peu. Hein, ça commence à être récurrent chez les tropicales. Ouais, j'allais dire. Je voulais savoir au niveau des maladies, parasites, tout ça là, c'est comment pour toi? Les araignées rouges. Ah, bon, madame craint les araignées rouges. Hein? Oui, je sais. Effectivement, les cochenilles aussi. Ouais. Ah, ben les cochenilles, j'ai fait un sujet là-dessus pour ceux que ça intéresse. J'ai une petite vidéo entièrement dédiée aux cochenilles. Alors oui, les araignées rouges, justement, j'en ferai un sujet un peu plus tard. C'est prévu. En même temps, elles sont aux couleurs de Noël, hein? Ouais. Oui, c'est vrai que les araignées rouges, ça arrive pas à Noël en général. C'est plutôt en été. Ouais. C'est vrai. En tout cas. Mais oui, j'en ferai un sujet un peu plus tard. Faut pas trop s'inquiéter. Alors les araignées rouges, il suffit juste de passer sa plante sous l'eau si ça arrive. Ceci dit, j'ouvre une petite parenthèse pour les auditeurs. Les araignées rouges, c'est pas celles qu'on croit. Hein. Donc c'est des acariens, hein. Ça fait partie de la famille des acariens. Mais souvent on les confond avec. On voit souvent dans nos jardins en été des araignées rouges qui sont solitaires, elles sont toutes seules, puis elles marchent très vite. Et puis on les voit, hein. Elles sont vraiment visibles à l'œil nu, elles sont toutes petites, mais on les voit quand même vraiment. Elles se battent toutes seules, rouges vifs. Faut pas les tuer. Alors il y en a qui appellent ça des aoutas aussi. Ça aussi ils confondent. Bref, c'est tout un sujet, mais. Faut pas les tuer. En réalité, c'est le signe que le jardin est très sain, que l'environnement est très sain, et c'est même super pour les plantes parce que ça se nourrit des pucerons. C'est plein de bénéfices, mais on y reviendra. Les araignées rouges, les vraies, celles qu'il faut craindre, elles sont microscopiques. Hein, t'approuves? Ouais, mais elles sont. T'en as connu? Non? T'as de la chance. Je te souhaite pas d'en connaître, mais c'est pas grand-chose. Hein. Elles sont microscopiques. Enfin, elles sont toutes toutes petites et elles font des fils en fait. Alors que ceux qu'on voit, les araignées rouges comme ça qui marchent vite, elles font pas de fils en fait. Les araignées rouges, les vraies, elles sont toutes petites, elles sont par centaines là et elles font des toiles très fines dans les feuilles. Et quand on touche, ça bouge, on voit que ça grouille dans tous les sens, des micro-points qui bougent. C'est celles-là les vraies araignées rouges. C'est quasi microscopique. En tout cas. Donc à pas confondre les deux. Et ça, on y reviendra plus tard. Oui, je sais, je m'éloigne souvent entre Gandalf et l'araignée rouge. Oui, je suis désolé. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Dis, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, hein, t'as froid. Hein. Oui. Ouais, je t'avais mis une bougie là, mais hein, non. Hein. Ouais. Tu veux un cookie? C'est tradition.
Non? Non, pas très cookie, pas très chocolat? Ah, t'as fait une overdose de chocolat. Ah oui, c'est vrai que Amérique latine, c'est le pays du cacao au départ. Ouais, t'as peut-être un peu trop bouffé. Ouais. Ok. Bah écoute, tu veux peut-être un verre d'eau non calcaire? Ouais? Je vais aller te chercher ça tout de suite après. On va terminer là. Et puis, je vais aller te chercher un verre d'eau non calcaire. Et il pleut, ça va être parfait. Je vais aller te prendre un verre de pluie. Eh bien écoutez, j'espère que cette troisième plante-interview vous a plu, que vous avez eu un petit coup de cœur pour cette magnifique plante qui est la Maranta, donc tricolore, à ne pas confondre avec la Calathea, même si elle fait partie de la même famille. C'est une plante très graphique, hein, à l'évidence, c'est vraiment beau, donc en intérieur, ça met vraiment un coup de peps, c'est vraiment magnifique. Et puis une plante facile d'entretien, comme l'a dit l'Oursonne. Faut que je pense à la rappeler aussi. Et ben voilà. Donc vraiment une très belle plante, une super plante. Écoutez, Madame Maranta, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Couvrez-vous bien. Et prenez soin de vous et prenez soin de vos plantes toujours, hein. Allez, à la prochaine. Bye!